Bienvenue sur T'Eternel, BST du CGT, du Conseil Galactique Temporel. Un petit pas pour l'Antoise, un grand pas pour l'humanité. Nous sommes donc le 24 janvier, dans l'an de grâce 2018. Les bonnes nouvelles, il n'y en a pas. Si, depuis le 18, justement, je fais le ménage chez moi. Afin de mener le même âge. Si, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de rosée cet après-midi. Vas-y. Je risque d'être malade. La bonne nouvelle, c'est le canard enchaîné. Ça dit tout ce que je pense en gros mots. Je devrais travailler pour eux. Ça me plairait. Chaud, le bac trop chaud. Bon, le restant, c'est que des mauvaises nouvelles. Comme tout à l'heure, entre midi et deux, putain, je vois les mecs, ils alignent toutes les bagnoles. Et je dis, mais comment ça, c'était pas gratuit le parking, le parc-mètre? Entre midi et deux, il me dit, bah non, ça fait longtemps que c'est plus gratuit. Je dis, ah bon? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est prévu que les parc-mètres seront même payés, faudra les payer le dimanche après. Bon, c'est pas encore voté, mais ça va pas tarder. Déjà, tu payes la carte grise, tu payes l'assurance, je sais pas, Tu payes l'essence, tu payes hop, le parc-mètre, bon, quand même le dimanche, faut pas abuser. Et puis t'as les pneus, les plaquettes, les machins, tout ça. Paye. Mais non, faut arrêter là. Il y en a marre là. Les vaches à lait, là, les vaches à traire, là, c'est bon. Le Macron en boîte sauce Rothschild. Bon. Le Big Mac qu'il y avait là, on le voit plus, c'était en vert. Et le Big Mac Donald. FMI DSK. Record live, Rory Gallagher, voilà, un en Christ, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? La montée des eaux, ça j'y peux tout rien, c'est pas encore assez monté, je crois bien, pour que vous compreniez quelque chose. Les laïcs, c'est comme le numérique, c'est électronique, tu vois le truc? Laïcité, ouais, on accepte tout le monde, mais on croit en rien. Votre dieu est argent, c'est de la merde. Super le canard. Ça, y a, derrière, là, il y a même un truc, c'est sympa. Pas tout lu encore. Passe ton post-bac d'abord. Tu vois le truc? L'année révolutionnaire, bref. Je peux pas investir plus. J'ai reçu mes 65 euros de l'UDAF aujourd'hui. J'ai donné 50 à l'épicerie. J'ai acheté un tabac, des fils, des feuilles, le canard, il n'y a plus rien. Moi, j'étais plutôt le connard déchaîné. Surtout quand je suis pas anesthésié. Franchement, sur Terre, vous m'énervez. Ils sont où, les humains? Moi, que je dois rassembler tous les peuples. Attends, j'avais le papier de la Bible aussi. Il doit être dans le tapis à yoga. La première phrase, elle était super importante. Papier de l'église, de la paroisse, de la Sainte Famille. Tu vois le truc? Bon, là, il y avait ma campagne d'affichage. J'avais accroché samedi soir aux pharmacies, du coin. C'est marrant, ça a été enlevé. Le lundi, quand c'était ouvert. En dessous, il y avait... Oh merde, on ne voit rien, c'est trop plié. En dessous, il y a... Genre, t'arrives à l'école, il y a encore des branches dans le bout de bois et tout. Après, t'as la hache, t'as le machin. C'est comme les brutes de truss, quoi. Au moins, je vois les marteaux qui s'envolent. Tu vois, après, tu finis bon, un petit bout de bois carré. C'est ça, la normalisation de l'âme. Mais chacun est différent. Chacun a une attribution prévue dans l'espace-temps. Sauf qu'avec votre bouffe de merde et vos trucs pourris... Voilà, j'avais mis ça dans la pharmacie, tu m'étonnes qu'ils l'ont enlevé. J'ai une idée, droguons la moitié de la population. J'ai une meilleure idée, faisons que tout le monde ne paye pour ces drogues. Nous paye pour ces drogues. J'ai la meilleure idée, appelons ça le médicament. C'est sûr que si tu mets ça sur les pharmacies, mort de rire.
C'est sûr que ça reste pas longtemps. La première phrase est importante. Enfin, tout est important, mais... C'est habité par la même espérance. Rassemblé dans ta maison de lumière, et si le Père vous appelle... Eh ben, en fait, moi, c'est moi qui l'appelais. Alors, pas pareil. Merci, Sœur Thérèse. Notre-Dame déconne. Et le pape, là, pour truc de pédophilie, je sais pas quoi... Oh. Plein la geôle. Le pape prend une calotte. Hey. Moi, j'étais sur pape dans le moteur de mon temps. Il y a le moteur à deux temps, il y a le moteur à quatre temps, il y a le moteur rotatif. Il y a toutes sortes de moteurs. C'est comme les races et les gens. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs motorisations, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs constructeurs. Mais le tout, c'est de rouler dans le même sens. En fait, c'est le devenir de l'ensemble. C'est ça qu'il faut bien comprendre. J'ai vu le périscope, et il a vu le percevoir, il était pote avec le perfusion, et il vous emmerde, en fait. On peut pas le dire comme ça, parce que ça fait pas très prophétique, on va dire. Tu vois. Je vais l'avoir, mon insurrection pacifique. Ma révolte planétaire, tout le monde dans la rue, dans tous les pays, dehors les gens du pouvoir, on veut des incorruptibles, on veut. Les oligarchies, tout ça, c'est fini, les riches de merde, là. Non ? Vous voulez pas un peu la paix sur Terre et qu'on mette les molécules à leur place ? Vous voulez que les enfants de vos enfants, ils soient tous morts irradiés, la leucémie, les machins, les trucs, parce que vous jouez à la con avec des trucs nucléaires, donc vous comprenez absolument rien. Tu vois le truc ? Chouf, chouf. Chauffe bien. Moi j'aime tout le monde. Tu peux être n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion. Moi je m'en fous, je suis sur pape. Je fais crise de nid, je fais l'éternel, c'est pas pour rien, c'est pas pour de la merde. Des fois je peux être raide défoncé, c'est pas grave. Au contraire, tu nourris ton esprit. C'est la science de l'éther. Tu vois. Par contre, quand je suis clean, c'est exactement pareil que quand je suis bourrin. Sauf que j'ai peur de perdre l'esprit. C'est l'histoire du délirium très mince. Moi, après, je fais du délirium très gros. Ça fait des tremblements de terre. Ça fait des trucs bizarres. Faut pas faire chier l'éternel. Maintenant, un bon riche, c'est quand il est mort ou c'est quand il a tout rendu ce qu'il a pris. Pas besoin d'avoir 12 villas à Saint-Tropez. Pas besoin de... Non, 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 non. Un petit peu pour tout le monde. Et puis arrêtez de vendre des médicaments de merde aussi. Hein. Parce que ça, ça commence à faire chier. Hein. Bientôt, tous les jours, ils enlèvent un médicament. Ah, bah finalement, ça craint. Et le lait pour les gosses, non ? Bonjour, Lactalis. Vous foutez pas de ma gueule, des fois. Moi, je parle au nom du Père. Du Père de l'esprit. Encore faut-il avoir un esprit. C'est les 90% du cerveau qui vous servent à rien. En fait, les 10% dont vous servez, c'est pour compter le pognon et pour mentir et pour tricher, pour... Et les gens du pouvoir, ça pas du tout. Un gouverne vrai et des médicats vrais. Des gens du pouvoir incorruptibles. Qui n'ont rien à foutre de l'argent ou du vernis à poufias ou du gel à salope. Bon voilà. Bien que je me défoule un peu. Faut bien que je me défoule un petit peu, je suis énervé. Façon forfait accompli, Gérard Lambert va repartir. Il n'y a plus d'essence dans la bécane. Du trust, la junte. L'élite, les brutes, marche ou crève, Messrine. Voilà, voilà, voilà. Envoyé spatial pour t'éternel. C'était une petite altercation, une petite transfusion synapsoïdale par acouphène, par supraconduction synapsoïdale. Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant. Sans à l'école, on n'apprend rien. On t'apprend à devenir un bout de bois. Voilà, 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 voilà. Tu. Oh là là, oh là là. Tout lolo lolo lolo. Oh là là, oh là là. Mercredi, c'est le point d'interrogation. Parce qu'en étant semainier de l'esprit, c'était pour répondre à la question. C'était quoi déjà ? Comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts ? C'est pas la télé. Hein. Peut-être deux cons qu'ils ont à BHL. Bien sûr que l'eau monte. Vous n'avez pas vu la grosse vague, vous, encore.
De Marseille à Vintimille, il n'y aura plus rien. Vous avez prévu quoi, là, les secours, là hein? Tiens, dimanche, il y a le rallye de Monte-Carlo. Le petit cousin, il va travailler, il va faire l'assistance. Ça commence jeudi soir, la première spéciale. Vendredi, samedi. Ça va, c'est cool. Transport payé, logé, nourri. Puis la sécurité. Un mec qui marche au milieu de la route, dégage connard. Enfin, pas dire comme ça, parce que moi je marche tout le temps au milieu de la route. Et je vais peut-être essayer d'aller filmer. Voilà, voilà, voilà. Envoyé spatial pour t'éternel. Pas de chez Salut, Inch'Allah rhyme. Merde, Inch'Allah men rhyme. Comme on dit déjà. Et puis pas plus. Et puis ça va. Tu vois. J'ai un moral d'acier là. Mieux vaut être un esprit dans une viande qu'une viande sans esprit. En fait, c'est ton vaisseau sur Terre, c'est ton corps. Mais est-ce qu'il est connecté à l'unité centrale des disques mous? Vous voulez pas croire en Dieu? Papa de ton esprit? Celui-là qui fait battre ton cœur? Dieu, ça veut dire directeur d'induction d'énergie universelle. C'est pas compliqué. C'est même pas con et c'est même pas appliqué. Le diable, c'est directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. De toute façon, le problème ne se pose pas parce que vous n'avez pas d'esprit. C'est pas vous qui pensez par la télé, à la treuse, justement. Voilà, voilà, voilà. On va pas faire un film de 10 ans parce que la dernière fois, j'étais bourrin. 18 minutes, le film. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui l'a regardé. Mais c'est pas grave. Tu sais, j'y arriverai sans pognon. Moi, je suis pour un monde juste. Pas tous ces barbares du pouvoir qui vendent des armes et des guerres, des armes à des sous-développés pour qu'ils se tuent tous entre eux. Mais c'est rien que le gaspillage. C'était super mes saucisses du 2 décembre. Avec mes trucs du 8 décembre et du 16. Et mon yaourt du 23. Mioum, mioum, mioum. On pourrait nourrir la planète entière, bande de cons. Dernière sommation, société de consommation. Voilà. Moi, j'y suis pour rien. Je ne suis qu'interprète du point de fusion moléculaire dans l'espace et le temps à travers l'espace-temps. Quand je fais des exercices, je voulais dire merci pour le yoga, mardi, merci pour la gym, vendredi dernier. T'as affaire à des humains, tu vois. Les addictions, tout ça, c'est les gens qui éprouvent une souffrance de l'âme, même s'ils ne le savent pas. Si on mettait à voter tous les alcooliques et tous les drogués, il n'y aurait plus un élu. De toute façon, moi, je me lance aux élections planétaires. Il faut que ça vienne. S'il n'y a pas un mai 68, 50 ans après, en 2018, ça ne va pas aller du tout. Ah, il y a Jacques. Bon, enfin bref. Pouette.